Giorgio Vasari, architecte et écrivain du XVIe siècle, est considéré comme l'auteur du texte fondateur de l'histoire de l'art, delle vite e dei più eccellenti pittori, scultori e architecti. Vasari a un début de carrière prometteur. Il est embauché par la famille Médicis pour décorer leur maison. Il travaille notamment dans plusieurs salles du Palazzo Vecchio et construit le Palais des Offices. Ce palais est le chef-d'œuvre architectural de Vasari. Sa vie des plus éminents peintres, sculpteurs et architectes est publiée pour la première fois en 1550. Mais c'est la seconde édition, parue en 1568, très retravaillée, qui s'impose comme un texte référence. Contrairement à la première édition, elle inclut les artistes contemporains à Vasari. Les biographies des artistes présents dans l'ouvrage contiennent de nombreuses anecdotes, des faits parfois contestés. Les gravures de l'édition conservées à la Biothèque Fesch ont été réalisées par Giovanni Angelo Canini. Notre édition date de 1647 et est attribuée au fonds Lucien Bonaparte.